Je te propose d'essayer de calculer cette intégrale indéfinie, euh, celle-là, x au carré, l'intégrale indéfinie de x au carré facteur de 3x moins 1 dx. Alors, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire de ton côté, et ensuite on se retrouve pour aborder ça ensemble. Alors bon, l'expression est assez compliquée, donc peut-être que tu as essayé de trouver un truc un peu magique pour résoudre ce problème-là, pour faire ce calcul d'intégrale. Mais en fait, je pense que là, dans ce cas-là, il y a quelque chose qu'il faut garder en tête, c'est que parfois, le plus simple, c'est de manipuler l'expression de ta fonction pour la simplifier. Par exemple, ici, on peut se demander ce qui va se passer si on distribue le x au carré aux deux termes de la parenthèse. Alors c'est ce que je vais faire. En fait, je vais donc écrire que cette intégrale là, c'est l'intégrale de ma fonction que je vais développer en dx. Alors ici, ça va être donc x au carré fois 3x, ça fait 3x puissance 3. Ensuite, j'ai ce terme là, x au carré fois moins 1, donc moins x au carré. Et tu vois que là, les choses deviennent beaucoup plus simples puisqu'on a une, une différence de deux fonctions. Donc on sait très bien que calculer l'intégrale d'une différence de, deux, de ces deux fonctions-là, ça va revenir à calculer les intégrales de chacune des deux fonctions séparément. Donc je vais calculer l'intégrale de 3x au cube dx. Ça c'est donc une primitive de 3x au cube. Et on sait qu'une primitive de x au cube c'est x puissance 4 sur 4. Donc ce que je vais avoir, c'est 3 fois x puissance 4 sur 4. Ça, c'est une primitive de la fonction 3x au cube. Et puis ensuite, je vais soustraire, alors, là, une primitive de x au carré. Et ça, on sait que c'est x au cube sur 3. Donc on a terminé pratiquement, parce qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça, c'est une primitive. Et on ne sait pas laquelle c'est, donc il peut y avoir une constante qu'il faut ajouter. Donc ici, je vais ajouter plus une constante. Voilà. Donc tu vois qu'ici, c'était quelque chose de très simple finalement, si on pensait à distribuer, simplifier l'expression pour obtenir un polynôme. On va faire un autre exemple. Je te propose celui-ci, nettement plus compliqué. Voilà, on va calculer l'intégrale de x au cube plus 3x au carré moins 5 divisé par x au carré dx. Alors, comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause, essaye de le faire, et on se retrouve ensuite quand tu as essayé. Alors là, ben, c'est pareil, tu as peut-être essayé de trouver un truc très intelligent pour faire ce calcul de primitive rapidement. Mais là encore, je pense que le plus simple, c'est de simplifier l'expression que, que tu as. Pour essayer de te ramener à une somme de fonctions simples dont tu connaîtras les primitives. Ici, ce qu'on peut faire, c'est réécrire l'expression en divisant chaque terme du numérateur par x au carré. Donc, je vais le faire comme ça. Ça, c'est l'intégrale en dx de. Alors, dans l'intégrale, ce que je vais faire, c'est écrire chaque terme, donc chaque terme du numérateur, en divisant par x au carré. Donc ici, je vais avoir x au cube divisé par x au carré. Ça, ça fait x. Plus le deuxième terme, c'est 3x2 divisé par x au carré, Ça, ça fait tout simplement 3. Et puis enfin, le dernier terme, c'est moins 5 divisé par x au carré, Là, je ne peux rien faire, donc je vais l'écrire comme ça. Moins 5 divisé par x au carré Et là, tu vois, on se retrouve dans un cas assez simple. Il faut réussir à déterminer une primitive de x plus une primitive de 3 moins une primitive de 5 sur x au carré. Et ça, c'est assez simple. Une primitive de x, eh c'est x au carré sur 2. Plus une primitive de 3, ben ça c'est tout simplement 3x. Et puis moins une primitive de 5 sur x au carré. Alors la primitive la plus simple de 1 sur x au carré, c'est moins 1 sur x. Donc ça, on peut l'écrire comme ça. Donc c'est moins 5 fois moins 1 sur x. Et tu vois qu'ici, en fait, ce qu'on a, c'est moins 5 fois moins 1 sur x. Alors, je vais pouvoir écrire ça plus simplement. Ça me donne plus 5 sur x. Je vais l'écrire comme ça. Plus 5 sur x. Et bien sûr, on ajoute une constante. Alors, petite parenthèse, là j'ai utilisé le fait que je connaissais une primitive de 1 sur x au carré. Tu peux très bien faire ça différemment en utilisant les fonctions puissance, puisque 5 sur x au carré, tu peux l'écrire comme 5 fois x puissance moins 2. Donc tu vois, tu peux déterminer une primitive de x puissance moins 2 en utilisant le fait que c'est une fonction puissance. Allez, on continue, on va faire encore plus compliqué, on va essayer de calculer l'intégrale indéfinie de racine cubique de x puissance 5 dx. Alors, à toi de jouer et on se retrouve une fois que tu as essayé. Alors là, c'est une racine cubique, donc ça a l'air d'une fonction compliquée, mais ce qu'il faut avoir en tête vraiment, c'est qu'une racine cubique, c'est rien d'autre qu'une fonction puissance. Et quand on prend la racine cubique d'un nombre, en fait on élève ce nombre à la puissance 1 tiers. Donc ça, en fait, c'est l'intégrale indéfinie de x puissance 5 élevé à la puissance 1 tiers dx. Et donc là, on a bien sûr les règles de, de, des puissances. Hein. Ça, ça me donne l'intégrale de x puissance 5 fois 1 tiers, donc x puissance 5 tiers. X. Et tu vois que de nouveau, on se retrouve avec une fonction puissance dont il faut trouver une primitive. On va le faire très facilement. On va augmenter l'exposant de une unité. Donc 5 tiers plus 1, ça fait 5 tiers plus 3 tiers, ça fait donc 8 tiers. Donc on va avoir x puissance 8 tiers. Et puis on va diviser par ce nouvel exposant qui est 8 tiers. Donc il faut diviser par 8 tiers, c'est-à-dire multiplier par 3 huitièmes. Donc voilà. Et puis on n'a pas tout à fait terminé. N'oublions pas, bien sûr, la constante ici. Donc voilà, le, la morale de cette vidéo, c'est que, avant de te lancer dans des calculs très compliqués, regarde ce que tu peux faire en manipulant ton expression, si tu peux la simplifier pour te ramener à un calcul beaucoup plus simple de primitives de fonctions que tu connais.